Nous allons parler du Tchad et du Sénégal avec l'ancien président du Tchad, donc Hissène Habré, qui réclame une libération temporaire. Nous allons également parler du Bénin, le président Patrice Talon, assuré de son deuxième mandat. La République démocratique du Congo, Sama Lukonde, sort le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et puis Togo, vaccination obligatoire ou non, c'est juste une question. Nos invités, comme d'usage, chaque mardi, nous avons Pasteur Edo Komi, du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Samuel. Ah, mais Samuel. Oui, c'est tout Samuel. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous d'être encore sur ce plateau. Vous savez, tous les Togolais sont en joie parce que Claude Leroy est parti. Enfin. Oui. Même s'il va gérer son affaire de graines, comment on l'appelle ? Les graines du Togo. Les graines du Togo, là. Ouais. Je crois qu'il faut en finir aussi. Il faut plier aussi ces graines-là pour que définitivement il quitte le Togo et que son successeur puisse avoir les mains libres pour donner la joie aux Togolais avec les éperviers. On se rappelle, ces éperviers nous ont toujours donné la joie. Ouais. D'ailleurs, il fut un moment où les gens disent que tout ce qu'ils ont, pour être joyeux, c'est les éperviers. Voilà. Et quand les éperviers jouent, tout le peuple togolais est mobilisé du sud au nord. Mais depuis il y a 5 ans de cela, on n'a plus cet engouement jusqu'au dernier match que nous avons livré ici avec le Kenya. Bon, donc c'est dire quand même que les Togolais sont en joie. Il faut refaire le football togolais. Alors qui va se succéder à Claude Leroy? C'est quoi, c'est la question. Oui, c'est la question. On vous a vu mener des batailles pour le départ de Claude Leroy. Pour vous, c'est une bonne chose finalement. Je me rappelle qu'un confrère m'a posé la question de savoir et que Claude Leroy lui dit, mais qu'est-ce qui me concerne exactement en tant qu'un pasteur par rapport au football? Voilà. Ben, je suis un footballeur, j'aime le football et j'aime les éperviers. Tout en étant pasteur, je trouve de la joie quand je vois les éperviers jouer. Je crois que c'était le 6 avril 2019, quand nous avions organisé une manifestation au stade Omnisport, devant la place de stade Omnisport, pour demander le départ, pour exiger le départ de Claude Leroy. Ça fait beaucoup de... Il y avait eu des gaz lacrymogènes parce que la manifestation au départ était autorisée, mais les forces de sécurité ont estimé que nous étions sortis du cadre, du cadre de manifestation, et il y avait eu des gaz. Paix à son âme. Le journaliste de Canal FM qui est mort, James Kounaké, paix à son âme, il était blessé. Il y a Espoir Taoui de Radio Zéphy qui était aussi blessé. Votre collègue, l'ami Tchédri qui était aussi là. Tout le monde était là. Et c'était très beau. Bon, donc aujourd'hui pour nous, Claude Leroy est parti. Il faut tourner la page de Claude Leroy et revoir le football togolais, c'est ce qui est important. C'est une lutte que nous avons menée aujourd'hui. Nous sommes satisfaits que Claude Leroy est parti. L'ami du pasteur Edo Komi est également là, c'est Dima Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir grand frère. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Bon, ben on rend grâce à Dieu. C'est que vous allez parler également de Claude Leroy. Oui, il faut parler de Claude Leroy. Vous savez, je tutais sur son départ. Je disais que il est temps que lui-même, si les autorités ne l'ont pas démis, il est temps que lui-même, pour son honneur, une dignité, pour sa dignité, pour pouvoir sauvegarder, en tout cas, le peu d'honneur qui lui reste, comme acquis dans le landerneau footballistique africain. Qu'il rende lui-même ses tabliers pour sauver son honneur. Et il a fait. Juste la veille, hein, coïncidence pour coïncidence, le lendemain, j'apprends. Je ne sais pas si mon Twitter a joué un rôle, mais ce que j'ai dit, c'est que. Voilà, c'est ce que l'athlète laisse, la dignité, le mérite, l'honneur. Mais quand l'athlète s'accroche au matériel, ben, vraiment, il perd. Toutes ses vertus, toutes ses valeurs, et évidemment, ce qui lui reste, c'est le mépris et le déshonneur, la vilenie. Et donc, je l'ai appelé quand même à démissionner. Et ça a été toujours notre combat, au jour le jour. Parce que nous avions vu un sélectionneur national qui s'est mis dans la peau
d'un directeur technique national pour détecter les talents. Talent. Il détecte les talents et il veut l'éjecter directement dans, le, dans l'équipe nationale. Et nous avions trouvé ça terrible. Sans transition. Il a pris même des joueurs directement depuis des centres de formation pour éjecter dans l'équipe nationale. Ouais. Non, ça ne se fait pas. Il tue seulement, non seulement il même tue les, talents, les jeunes talents. Oui, non seulement il les tue, mais il ne rend pas service. S'il trouve en eux quelque chose de... Non, quand même, il faut des étapes. Hein. Il faut des étapes. Ciel, ça ne se passe comme cela. Il y a toujours des étapes à franchir. Ouais. On peut avoir des talents précoces, hein. On a vu des cas comme l'Mbappé, ailleurs, mais on a vu qu'ils étaient passés par... Oui, il faut une progression. Il faut les préserver de leur avenir. Que l'équipe nationale n'est formée que des meilleurs du moment. Voilà. Hein? Une équipe nationale n'est formée que des meilleurs. Des meilleurs. Des gens qui sont en forme. Hein? Des gens qui sont en forme. On peut éjecter quelques talents précoces dedans de façon isolée, mais venir détruire tout le statut de l'équipe nationale. Et titulariser les jeunes là. Venir dire que ben, je vais mettre sur pied, en tout cas, une autre nouvelle au statut qui vient des centres de formation. Patati patata. Non, je pense qu'il a détruit le football togolais. Il a détruit volontairement le football togolais, pensant faire du bien à ce foot. En tout cas, je ne sais pas quel objectif il avait, mais il a détruit. C'est lui qui a fait partie les cadres de cette équipe. Oui. Alexis Romao, en le faisant jouer à un poste qui n'est pas le sien, on a vu qu'il a pris le numéro 9 de prédilection que nous avions à l'époque, Serge Gakpé, pour venir jouer carrément le milieu extérieur gauche, latéral, à la canne. On a vu comment il a ramené des attaquants de pointe. Mais il a tout mélangé. Tout un mélange. C'est pas aussi cela un sélectionneur. En tout cas, on aura c'est le temps. C'est pas ça un sélectionneur. Ça nous fera plaisir. Il faut ramener. On peut vous inviter. Il faut ramener niveau, pleinement le sujet. On va en débattre. On va en discuter. Ce serait bien. On peut en parler. Et faire des propositions même pour... De l'œuvre de Claude. Pour sa succession. Voilà. Comment Claude... Par la mainmise des grandes chaînes internationales, surtout les chaînes françaises, a détruit le football togolais, faisant croire qu'il est en train de construire le football togolais. Mais il a fait plus du tort à ce sport que les Togolais. Non, mais je pense que ce serait bien qu'on revisite. Parler de l'héritage en tout cas, Niwa Sport est là. Vendredi, on va voir. Okay, on passe au premier sujet. Hissène Habré qui réclame une libération temporaire. On veut parler donc du Tchad et du Sénégal. L'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois, principalement pour des raisons de santé. Si elle est accordée, c'est-à-dire l'autorisation, l'ancien président pourrait être libéré ce jour, 13 avril, pour le Ramadan. Mais la demande passe mal auprès des victimes et celui qui purge une peine de prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité. Pasteur Edo Komi, il est malade. Hein. Vous êtes aussi pasteur au-delà de tout. Il demande une libération provisoire. Est-ce que c'est possible? Oui, il est malade. C'est normal. Qu'il demande, c'est son droit le plus absolu de demander une autorisation pour se faire soigner. Mais il faut que nous apprenions de ce genre de situation qui puisse arriver à tout homme. Quand il était président, il était le tout-puissant. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait lire en lui cet humanisme? Ce qu'il réclame aujourd'hui, est-ce que des situations ne se sont pas passées à son époque, au moment de son règne, pour qu'il puisse lâcher prise? Est-ce qu'il avait manifesté de l'amour, de la tolérance, de la solidarité, de la générosité envers les gens? La preuve aujourd'hui, il y a des victimes. C'est que sous son régime, il y a eu beaucoup de victimes. C'est vrai quand même que ce n'était pas lui qui avait dirigé ses mains, ce sont ses hommes. Et finalement, c'est lui. L'actuel président, bien sûr, qui était son chef d'état-major, Idriss Déby. Bon, donc, c'est dire que quand
les situations arrivent comme ça. Ceux qui dirigent, les gouvernants d'aujourd'hui, doivent apprendre de leçons dans ce genre de situation, ce que Issa Nabré est en train de traverser aujourd'hui. Il avait sa gloire, aujourd'hui il est en prison, il est en prison à perpétuité et il demande une autorisation. Je crois au moment de Covid-19, au début, on l'avait déjà fait sortir de la prison pour qu'il revienne. Je crois qu'il a fait 60 jours à l'époque, il a fait 2 mois. Donc aujourd'hui, il est en train de demander une autorisation. C'est vrai, moi je suis humain, hein, ce n'est pas moi qui accorde. Et déjà, on a vu la réaction des victimes. C'est dire que les victimes ne sont pas du tout d'accord pour qu'ils puissent sortir de la prison. Puisque c'est eux qui ont subi les coups, qui ont subi la mauvaise gouvernance, qui ont subi la torture, qui ont subi les répressions, hein, qui ont subi les exécutions extrajudiciaires. Donc il y a tout ça là. Donc voilà ce que ça doit nous apprendre. Pour moi, tout ce qui arrive, il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre de ce qui arrive à l'autre pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Dimanche, pour Alassane Diome Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, les victimes de la répression menée par l'ancien président tchadien ne comprennent jamais et ne vont jamais tolérer une éventuelle libération, même temporaire. Ils ne vont jamais comprendre. Ça, c'est tout à fait normal. Depuis quand on a vu quelqu'un en prison, libéré temporairement, après on le reprend, après on le libère temporairement, après on le reprend, c'est quelle pagaille. C'est quelle pagaille, ça. Non, non, ça ne se fait pas. Ou on le gracie, et bénéficie c'est d'une grâce présidentielle, et on le libère, compte tenu d'un certain nombre de réalités, où il est en prison et il peut bénéficier de tous les soins en prison. En prison, oui, c'est possible aussi. Il a ses droits, il a le droit de se faire traiter en prison, il a le droit de bénéficier de tout ce qui rentre dans les en tout cas, les droits des prisonniers. Les droits des détenus. Voilà. Mais libérer, reprendre, libérer temporairement, reprendre, libérer. Le compasseur l'a dit, il était libéré. Oui. Au début de Covid-19. Oui, bien sûr. Jours, et après, on le reprend. Maintenant, il demande cette fois-ci. Est-ce qu'il est vraiment en prison, Oui, déjà, ces conditions ne sont pas draconiennes. Ouais. Hein. Ces conditions de détention ne sont pas draconiennes. Et. Ce qui se passe là-bas, c'est tout sauf la loi. Vous avez vu la réticence que l'État sénégalais a observée pour pouvoir le juger. Avant de le juger. Issa Nabré a quitté avec une grosse fortune. Voilà. Des lingots d'or, de diamants, beaucoup de choses, beaucoup de liquidités. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. C'était sous l'ancien président. C'était Wade. Sous Wade. Il a mis Wade. La main sur. Les leaders religieux sénégalais qui le soutenaient, Bec et Ongle. Et ce qui fait que les politiciens ne peuvent que se plier. Vous savez, au Sénégal, c'est les leaders religieux qui font la loi. Ils ont toujours leur dernier. Ils ont une réputation. Voilà. C'est des faiseurs de rois. Voilà. Ils sont toujours consultés en beaucoup de choses. Ils ont. Il a aussi soudoyé les politiciens et tout le monde était rentré dans la danse. Même le jugement là, c'est pour son propre bien parce qu'il était arrivé à un point où il risque d'être déporté. Dimas, si vous le permettez, on va en parler juste après la pause.